La Cité du Carambar accueillait la chanteuse soustonnaise Lune de la Chance en ouverture de saison. Un concert intimiste dans une ambiance chaleureuse, bien adaptée au répertoire de cette chanteuse à texte. Samedi dernier, à 20h30, au Carambar à Souston, avait lieu le concert de Lune de la Chance. Le projet Lune de la Chance est né en 2009, en Dordogne, à Sarlat, au Canada. C'était vraiment le début et en fait j'ai rencontré mon bassiste, guitariste, soliste, qui m'a accompagné à la basse. Et on est venu dans les Landes en 2010-2011. J'ai fait pas mal de concerts, j'ai fait beaucoup de concerts, de bars, de camping, des choses comme ça. Et j'ai aussi eu la chance de faire des belles scènes, des belles premières parties. J'ai fait première partie de personnes locales, on va dire, comme Fabien Boeuf. C'est quelqu'un qui est connu, qui fait de la composition, qui est connu dans la région. J'ai fait la première partie de Mano à Vieux-Boucaux l'été dernier aussi. La présence de Lune de la Chance a manifestement attiré tout type de public, dont un public averti. Donc moi je suis vraiment passionné par la musique, tout style confondu. Donc là, bon, ce soir il y avait Lune qui jouait, c'est assez folk, elle a une super voix. Donc moi je me suis déplacé pour voir cet artiste. Mais je pense que chanter dans les bars, c'est une façon de se faire connaître localement. Parce que quand on chante dans un bar, on fait de la reprise. En général, ça dépend si le bar il veut que de la reprise ou que de la compo. Moi, en général, sur un set comme ce soir, je vais faire de la composition, mais je vais aussi faire de la reprise pour varier les plaisirs, pour que les gens ils se reconnaissent dans les chansons qu'ils connaissent et puis qu'en même temps, ils en profitent pour découvrir les chansons qu'ils ne connaissent pas, qui sont les miennes. C'est hyper bien déjà pour la ville, pour les commerces de la ville, pour les bars notamment, qui est une dynamique culturelle, surtout des artistes qui viennent un peu de villes différentes. Donc ça permet d'avoir une bonne animation de la ville et puis mettre en valeur les commerces de la ville. Et c'est ainsi que artistes et restaurateurs ont pu être satisfaits de cette soirée. C'est jamais très simple parce que c'est en termes financiers, la prestation on la paye et on ne fait pas payer le client. Le client ne fait que consommer les prix normaux. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on fasse des efforts, que l'artiste fasse des efforts. Mais bon, on y arrive. On y arrive. Le succès actuel des télécrochets n'est pas encore dans les projets de Lune de la Chance. Les télécrochets, c'est... Enfin... Non, j'ai pas du tout envie de participer à un truc comme ça, en réalité, parce que c'est trop dangereux en fait, c'est vraiment correspondre à un produit et je sais pas si j'ai forcément envie de rentrer dans un système comme ça où en plus la pression elle est énorme, c'est vraiment il faut chanter comme ça, il faut avoir telle voix, il faut être à la mode de telle voix et en fait c'est pas vraiment se correspondre, c'est pas être fidèle à soi-même forcément donc non pour l'instant ça m'attire pas. Après, pour délirer peut-être, pour s'amuser, pour un pari, se retrouver à faire un... Après, j'aurais peut-être un peu peur, moi, des critiques, des juges et tout ça, donc voilà.